Buenos días a todos. Gracias por uniros a este encuentro que organizamos hoy desde la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana sábado, pero también muy especialmente con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el próximo martes 8 de junio. Del total de la basura marina, casi la mitad corresponde a plásticos de un solo uso. Este próximo 3 de julio se hace efectiva la directiva europea que prohíbe los plásticos de un solo uso en toda la Unión. Nos acompañan hoy Elizabeth Scher, que es una activista medioambiental norteamericana que vive en Barcelona. Elizabeth es la embajadora de este reto mundial que se ha lanzado conjuntamente con el Parlamento Europeo para recoger 502.000 piezas de basura de las playas y otros entornos naturales antes del 8 de junio. También nos acompaña Catherine Chabot, diputada francesa al Parlamento Europeo por el Grupo Renovar Europa. Catherine es ponente del informe sobre el impacto de la basura marina en la pesca, un informe que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de marzo. Pero además Catherine tiene una relación muy especial con los mares y los océanos porque es la primera mujer que ha dado la vuelta al mundo en barco, en solitario, sin ningún tipo de asistencia ni de escalas. Entonces, bueno, antes de pasar la palabra a Elizabeth, me gustaría recordaros solamente que este encuentro se desarrollará en francés-castellano. Tenéis en la parte inferior de la pantalla la opción de la interpretación para que escojáis el idioma que poder seguir toda la intervención perfectamente. Y luego haremos, después de la intervención de Elizabeth y de Catherine, daremos paso a las preguntas. Y ahora sí, paso la palabra a Elizabeth, cuando quieras. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un honor de estar aquí y soy muy feliz de ser la embajadora en este reto con el Parlamento Europeo. Voy a presentar a mí misma. Crecí junto al océano. Crecí fuera de Manhattan, en Nueva York, pero siempre me interesó mucho el océano y en 2018 me mudé a Europa para realizar una máster en Erasmus Mundus en recursos del medio marino durante 2 años. He estado becada, afortunadamente, durante esos dos años y estudié en Francia, Bélgica y País Vasco. Y siempre he hecho limpiezas desde que era niña o joven, y yo siempre vi una oportunidad con las redes sociales en este tipo de acción. Y yo, durante la cuarentena, yo empecé con TikTok, y no hasta solo los 3 meses antes, mi profil en TikTok se van con muchos más seguidores porque creé un challenge para recoger la basura. Y después de eso, el Parlamento Europeo me envió un mensaje por Instagram para colaborar o para trabajar con ellos con un reto de un challenge similar para el día de los océanos. Y aquí empecé todo de mi viaje. Y si tienes preguntas, soy muy feliz de respuestar. Quizás, Elizabeth, si puedes compartir cómo vamos con respecto al reto que empezó el 28 de mayo, ¿no? Si tienes los últimos datos que tenemos hasta ahora de cómo va la iniciativa. Sí, por supuesto. Yo creo que es casi 300.000 piezas y solo faltan 4 días más. Hemos llegado a más de
30 países y es muy increíble ver cómo se une gente de todo el mundo en este reto. Muy bien, pues si lo podemos dejar aquí de momento, le damos paso a Katrin y luego ya seguimos con las preguntas. Vale. Katrin, adelante. Oui, merci Laura, bonjour Elisabeth et bonjour à tous. Alors je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour d'être présent parce que c'est un sujet qui nous mobilise Elisabeth et moi depuis longtemps, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment au cœur de mon action de député européen. C'est même une des raisons pour lesquelles les enjeux océans d'un point de vue plus global sont la raison pour laquelle je me suis engagée dans ce mandat. Et c'est un enjeu, c'est même quelque chose qui guide ma vie depuis toujours. Alors, je tiens vraiment à féliciter Elisabeth pour son engagement qui est incroyable. Je trouve que ce challenge est juste incroyable. Et moi qui dis tout le temps qu'on doit avoir, on peut avoir des rêves plus grands que soi, eh bien, Elisabeth, elle l'incarne. Avoir un rêve plus grand que soi, c'est être vraiment engagé sur des projets qui paraissent irréalisables et qui le sont, puisque Elisabeth, tu l'as dit, il n'y a plus beaucoup de temps, mais tu es déjà à 300 000 déchets, c'est formidable. Voilà, alors même si je ne suis pas la meilleure sur les réseaux sociaux, j'étais il y a quelques jours en Bretagne, Elisabeth, en France, dans le sud de la Bretagne, pour un nettoyage des plages. Alors, je ne sais pas si tu peux éventuellement prendre, avant que je parle de mon rapport, je vais vous parler de mon rapport sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries, mais je voudrais évoquer ce ramassage que j'ai réalisé. Et peut-être tu seras-tu intéressé d'apprendre que nous avons ramassé 3000 mégots de cigarettes. Nous étions une centaine à participer. 3000 mégots de cigarettes, c'est énorme. Moi-même, j'en ai ramassé plein en l'espace de 2 heures. 1,5 kg de métal, 10 kg de verre, 16 kg de plastique et 130 kg de vieux engins de pêche. On était à la fois sur les plages, sur le port, etc. Voilà. Voici donc que nous pouvons rajouter, j'espère, à ton travail, qui est un travail de sensibilisation qui me paraît aussi essentiel pour protéger les océans. Alors, voir des déchets, c'est les déchets, moi, que j'ai vus en mer, Elisabeth, et je le dis à tout le monde, il y a 30 ans, en plein milieu d'Atlantique, qui sont vraiment à l'origine de mon engagement et qui sont aussi à l'origine de cet appel que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans, ce sera l'anniversaire le 8 juin, pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun. Et Elisabeth, je t'invite à rejoindre notre initiative. Ça veut dire quoi, bien commun? Quand j'ai vu ces déchets en mer, moi, je me suis vraiment sentie responsable. Je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Et comme Elisabeth, j'ai eu envie d'aller ramasser ces déchets, sachant qu'il n'y a que 1% des déchets qui flottent. Il y a 99% qui est entre deux eaux ou qui est au fond. Et je veux remobiliser cette responsabilité individuelle, la mienne, la vôtre et collective. Et je crois beaucoup que collectivement, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et donc, cette ambition de reconnaître l'océan comme un bien commun, c'est au niveau des Nations Unies que je le veux. Alors, l'enjeu est colossal. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans l'océan. Cela va du micro, voire de la nanoparticule de plastique jusqu'aux containers, vous savez, qui sont perdus. On parle de 5 000 milliards de microparticules en mer, 1 million d'animaux marins qui sont impactés. Il ne faut pas oublier, comme on l'a déjà dit, que 80% des déchets proviennent de la terre, dont les eaux sont déjà porteuses de pollution chimique. Les déchets de surface, je vous l'ai dit, ne représentent que 1%, et que le reste, on le retrouve même dans les fosses océaniques. Alors, quelles sont les solutions et quelles sont celles que nous proposons dans le rapport? Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que comme l'origine des déchets en mer vient de la terre, les solutions, elles sont majoritairement à terre, même si elles sont aussi en mer. Alors voilà quelques pistes que nous proposons dans le rapport. C'est d'abord renforcer la connaissance, notamment sur les effets des nanoplastiques et des microplastiques sur les écosystèmes, sur les ressources halieutiques et aussi sur la santé humaine.
intégrer beaucoup plus le lien entre la terre et la mer dans toutes les politiques publiques, et notamment dans la gestion des déchets et la gestion de l'eau. Vous savez que les politiques publiques sont parfois beaucoup regardées en silo, donc il faut mettre beaucoup plus de cohérence dans ces politiques publiques. Il faut donc aussi accélérer l'économie circulaire dans le secteur de la pêche. Un chiffre, 27% des déchets qu'on retrouve sur les plages viennent du secteur de la pêche. Donc, il y a quand même un gros sujet sur la pêche. Il faut aussi simplifier les matériaux afin de faciliter leur recyclage et développer des matériaux biosourcés. Un autre chiffre incroyable, c'est qu'en travaillant sur ce rapport, on s'est rendu compte que les filets de pêche étaient constitués d'une cinquantaine de polymères différents. Il faut aussi étendre la directive sur les plastiques à usage unique au polystyrène expansé, alors qui est très utile, mais qu'on retrouve vraiment beaucoup en grande quantité en mer et sur les plages. Il faut trouver des alternatives, des matériaux, et puis rendre plus attractif pour les pêcheurs de ramener les déchets marins dans les ports. Et puis enfin, il faut lancer un plan d'action contre les déchets sauvages. Finalement, Elisabeth, elle participe à ce plan d'action et les collecter dans les zones où s'accumulent les déchets, notamment dans les ruisseaux, les rivières et les estuaires. En fait, il faut vraiment fermer le robinet des déchets en amont. Et pour conclure, voilà, je tenais à souligner que beaucoup de solutions existent déjà aujourd'hui, mais sont souvent parfois méconnues. Et j'ai donc lancé un appel pour que l'océan, pour que chacun reconnaisse et partage ses solutions. Alors, pas le partage des idées, parce que des idées, tout le monde en a, mais des solutions concrètes qui vont de l'éco-conception au recyclage, etc. Et voilà, je pense qu'ensemble, on peut vraiment rendre l'océan régénéré, participer tous à régénérer l'océan. Alors, si je peux, je vous montre... Je vous partage mon écran pour vous montrer là. Ça dure 1 minute et demie. Je peux partager mon écran, Laura, c'est bon? Attendez, il est là mon écran et je peux y aller? Bonjour. Si, adelante. Je suis navigatrice, journaliste, mais c'est avec ma casquette de député européen que je vous parle. Nous avons voté il y a quelques semaines au Parlement européen un rapport que j'ai porté sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries. Les déchets marins sont à l'origine de mon engagement pour l'océan. Ce que j'ai vu il y a 30 ans, en plein milieu de l'Atlantique, et une époque où personne ne s'intéressait à ce sujet. Heureusement, aujourd'hui, les médias relaient l'information, les ONG sont très mobilisées, mais on a encore énormément de boulot à faire pour fermer le robinet des déchets qui vont à la mer. 80% des déchets qui viennent dans la mer viennent de la terre. Et donc, c'est une problématique systémique. Les solutions sont systémiques. Il faut commencer par l'éco-conception des objets jusqu'à éventuellement ramasser les déchets, comme on fait aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer. Il y a une opération de ramassage des déchets. Ça passe aussi par mieux traiter les stations d'épuration, parce que certains déchets passent par ces stations, ou ramasser les déchets dans les zones d'accumulation. Il y a plein d'autres projet et je sais que vous êtes nombreux à porter des solutions parce que vous me contactez. Maintenant, je pense qu'il faut partager toutes nos solutions. Nous avons créé un hashtag See Your Solutions de manière à pouvoir valoriser, faire connaître vos actions, vos solutions au niveau européen, voire international, j'en rêve. Donc, partagez vos solutions sur le hashtag See Your Solutions et contribuez avec nous à fermer le robinet des déchets qui vont à la mer. Alors, je ne sais pas, on me dit que vous n'avez pas vu ma vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ah, elle est pas... Bon, ben, je suis désolée. Non, había un problema. Pero vamos a hacer una cosa. Como lo hemos escuchado, porque sí que se podía escuchar, voy a poner... podemos pasarlo por el chat del grupo, el enlace al YouTube, y quizás así lo tienen todos los periodistas y lo pueden... Lo pueden volver a ver, ¿os parece? Ok, formidable. Écoutez, c'est bon pour moi, merci. Je suis prête à répondre à vos questions. Para las preguntas,
podéis indicar en el chat los que estéis interesados en hacer preguntas, indicáis vuestro nombre y el medio y os vamos dando la palabra, ¿vale? Así todo, así es un poco, lo hacemos por orden. Mientras, Elizabeth, no sé si quieres compartir a lo mejor exactamente en qué consiste el reto o alguna anécdota que hayas tenido en estos días desde que ha comenzado todo. Sí, como el mensaje del reto. ¿Es la pregunta? ¿Perdona? ¿Cómo? La pregunta es, ¿qué es el mensaje del reto? O... ¿Cómo se puede participar en el reto? ¿Cómo se puede vale. participar? Ok, sí. Pues, para unirte solo tienes que hacer una limpieza y etiquetar o enviar un mensaje al Parlamento Europeo, o yo, o también 5-Minute Beach Cleanup, es una organización en Costa Rica, y un mensaje de dos cosas, cuántas piezas recoges y en qué país. Y de nuevo, puedes hacer limpiezas en cualquier lugar, no tiene por qué ser en la playa, porque todos somos conectados a la playa, muchas de la basura y el plástico proviene de la tierra. Y para mí, yo quiero que todos los personas pueden sentir un parte de la solución, aunque sea una pequeña parte. Y también lucho por la gente joven, la generación joven, porque cuando yo era niña y quiero ayudar al mar, es como no entendí cómo puedo ayudar. Y en este reto, todo puede ni importa la edad o si está cerca de la playa o fuera de la playa, cada pieza de basura cuenta en este reto. Y sí. Muchas gracias a las dos. Una pregunta de Europa Press, adelante. Hola, creo que ya, no sé si lo habéis explicado ya, pero le quería pedir a Elizabeth a ver si podía resumir un poquito por qué 500.000, 502.000 piezas de basura y no 1.000.000 o 200.000. Sí, es una muy buena pregunta. Básicamente... un minuto. Dos. Ok. Un minuto, por favor. Es que. No sé. Bueno, 100.000. Dos. Ok. Queríamos encontrar un número simbólico y alcanzable, pero era muy difícil de medir lo que puede significar alcanzable porque era la primera vez que hacíamos algo así. Pero después de investigar un poco, encontramos que los datos más recientes de la Oficina Europea de Estadística, que se llama Eurostat, muestra que el europeo medio produce 502 kilos de residuos municipales en un año. Y esperamos que ese número de 502.000 sea alcanzable en un reto global. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A mí, si no, me gustaría preguntaros a las dos, a Catherine y a ti, por el tema de las mascarillas. Porque, el tema de las, más que las mascarillas en sí, las gomas de las mascarillas, ¿no? Que parece ser que están siendo un problema para los animales.
que están poniendo en peligro más allá de la contaminación, pero los animales. ¿Os habéis encontrado, Catherine, Elizabeth, os habéis encontrado muchos, después de que hemos empezado con el COVID, muchos residuos relacionados con esto? Catherine, empezamos. Catherine y luego Elizabeth. Oh. Oui, merci. Lors de la collecte que nous avons réalisée le week-end dernier, il y avait peu de masques. Mais en revanche, depuis un an, on en voit très régulièrement dans la nature. Et ils finissent, vous avez vu ces images partout à travers le monde de masques qui finissaient dans la mer. Et ça veut dire vraiment que les gens les abandonnent. Il y a plusieurs. Votre question, ça concerne l'impact. C'est un déchet plastique. Hein. Ils sont en plastique, nos masques chirurgicaux. Donc, bien sûr que ça a un impact. Ça peut effectivement. Vous avez des animaux qui. On a vu des photos d'animaux qui se prennent dedans. Mais au-delà de ça, ce qui est inquiétant, c'est le geste de ces. C'est comme les mégots de cigarettes. Moi, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre le masque et le mégot de cigarette. S'ils sont dans la nature, c'est que des gens les ont jetés. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que, avec notre affaire d'océan bien commun, on veut pour vraiment mobiliser. Avec les masques, on a compris que notre santé mobilisait notre responsabilité individuelle et collective face à la pandémie. On était tous responsables à la fois de notre santé, mais de la santé des autres. Et c'est pour ça qu'on porte le masque. Donc le masque, il est un symbole aussi de notre capacité d'agir. Il ne doit pas être aussi un symbole de notre capacité à polluer. Alors que, voilà, et moi je crois vraiment que il faudrait peut-être sur les sachets, parce que des masques, à mon avis, on va les utiliser pendant quelques années, parce que même quand la pandémie, quand on sera passé derrière cette pandémie, probablement on va continuer à les utiliser. Il faut vraiment, globalement, lutter contre les déchets sauvages. C'est le cas du masque, c'est le cas de tous nos emballages. Les déchets sauvages, en fait, ne sont pas gérés ici, par exemple, moi j'habite à côté d'Angers, la gestion des déchets, elle est le fait de la communauté d'agglomération d'Angers, et en discutant avec eux, les déchets qui finalement finissent dans la nature ne sont pas traités, ne sont pas gérés par la communauté. Elles sont gérées éventuellement par les communes, et qu'on a donc un travail important à faire pour aller les ramasser dans les zones, voilà. Mais en amont, il faut véritablement qu'on soit responsable, chacun d'entre nous, et qu'on garde vraiment nos déchets dans nos poches, quoi. Je passe la parole à Elizabeth. Gracias, Catherine. Eso exactamente lo que yo soy muy de acuerdo. Por ejemplo, las mascarillas pueden ser enredadas por los animales. Son muy, muy malas. Es otra forma de basura marina que yo veo mucho en este año. Y sí, estoy de acuerdo que todos tenían la responsabilidad de nuestro planeta, de nuestro consumismo y no es la más que yo veo aquí en Barcelona. Aquí hay mejor un montón de botellas porque después de la cuarentena y menos restricciones con el COVID, hay muchas más fiestas en la playa y después hay muchas más basura en la playa. Mascarillas, sí, pero no tanto que las botellas y vasos de plásticos. Y yo veo que este problema es peor que antes, que en marzo yo empiezo con limpiezas casi cada día, y ahora hay más basura marina en la playa o también en el parque porque hay más fiestas. Y la gente, tenemos que cambiar la mente porque sí, hay trabajadores que limpian cada día, pero no es
su responsabilidad de limpiar todo. Es como ellos deberían limpiar en caso que hay basura, no en on purpose. Y necesitamos cambiar la mente con campaña, con señales. Hay muchas cosas que yo creo que puedo actuar juntas para sostenibilizar o para crear más conciencia en ese tema. Muchas gracias a las dos. Creo que el periodista de Europa Press tiene otra pregunta. Si no hay otras preguntas, así que adelante. Sí, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que coja el micro, ¿eh? Yo si no voy tirando. Tenía una pregunta para Catherine. ¿Cómo valora la ley de prohibición de los plásticos de un solo uso? Y otra para Elizabeth, que es para preguntarle cómo está viendo la respuesta de la ciudadanía en Barcelona al challenge, si hay gente aquí que ya se está apuntando. Alors, merci de votre question. En fait, en travaillant sur mon rapport, je me suis rendu compte que la single-use plastic, la loi de plastique à usage unique, elle s'est basée concernant les déchets qui sont en mer uniquement sur ce qu'on a retrouvé sur les plages. Les cotons-tiges, vous savez que les cotons-tiges, ça passe au travers des grilles des stations d'épuration. En fait, il y a tellement d'autres choses qu'ils peuvent intégrer. Alors, il y a les cotons-tiges, mais il y a d'autres choses aussi, les touillettes, les couverts en plastique, etc. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres objets qui doivent faire l'objet d'une réglementation, qui doivent rentrer dans l'économie circulaire. Donc, bon, comme on va travailler sur le paquet législatif à venir, vous savez qu'on on a voté au Parlement européen un rapport d'initiative hein, en réponse à la communication de la Commission. Et donc, moi, j'ai pas mal amendé. On peut vraiment renforcer ce paquet économie circulaire. Et notamment, il y a des choses qui me tiennent à cœur, notamment ce sujet qu'il faut réduire le nombre de polymères qu'on utilise dans la fabrication des objets. Vous savez, et puis aussi, il y a un gros sujet autour des matériaux composites. Moi, quand j'ai arrêté la compétition, je me suis intéressée à la fin de vie de nos bateaux. Nos bateaux, pour 80% d'entre eux, ils sont fabriqués en composite fibre de verre et résine polyester. Et c'est un composite en fin de vie dont on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, la responsabilité élargie du producteur, vraiment tout ce qui est décliné donc de la stratégie économie circulaire de l'UE a imposé donc la mise en place de filières de collecte, de recyclage, de valorisation des bateaux qui ont beaucoup de mal à se mettre en route. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi préconiser qu'en amont, il faut éco-concevoir les objets, il faut déjà penser à la fin de vie et y compris sur... Il faut réduire la complexité, ça fait partie des propositions qu'on a faites, la complexité des molécules. Les filets de pêche, on a constaté qu'ils étaient constitués, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une cinquantaine de molécules différentes. Il y a aussi, on introduit des matériaux différents qui rendent vraiment le développement de l'économie circulaire complexe. Et puis moi, je crois aussi une chose, c'est qu'il faut développer ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, parce qu'il y a des solutions qui sont éventuellement envisagées et qui ne sont pas forcément des bonnes solutions. Donc, il faut arriver à mesurer tout ça. Un dernier mot pour dire que sur nos plages et dans ce que les gens vont ramasser ou vont voir quand on fait des collectes, il y a tout ce qu'on voit vraiment, mais il y a toutes les microparticules de plastique. Et je voudrais parler notamment de ce qu'on appelle les pellets, ces microbilles de plastique qui entrent dans la fabrication, qui sont le plastique à l'état brut avant qu'il soit transformé. Il est transformé à travers il est transporté à travers le monde à l'état de microbilles. Et vous avez vu au Sri Lanka ce porte-container, ce bateau qui a brûlé et qui a répandu. Eh bien, ces microbilles, vous allez en face de Barcelone, sur les îles Baléares. J'y étais il y a 4 ans.
J'ai pris une poignée de sable. La moitié du sable que j'avais dans la main, c'était les mêmes microbilles de plastique. Et on confond ça avec des gros grains de sable. Je vous assure, c'est un problème qui est planétaire. Donc, il y a un énorme sujet à traiter de ce point de vue-là, aussi au niveau européen, pour que notre plastique soit transporté différemment. Il y a aussi un sujet sur les containers qui tombent à la mer. Il faut développer la traçabilité des containers, etc. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Gracias, Catherine. Sí, yo estoy hablando con mucha gente que vive en Barcelona también. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama Clean Beach Initiative y ellos llevan casi 2 años cada sábado limpieza la playa en Barcelona. Y me contaron también que en el verano la basura marina aquí es mucho peor y me pone muy nerviosa porque ahora yo nunca veo ese problema tan grande de mi vida y creo que necesitamos hacer un cambio ahora. La fin de antes, hay una regla que prohibió los cigarrillos en 4 playas en Barcelona y eso es un buen empiezo, un good start, pero también fue un poco rápido porque yo creo que mucha gente no lo sabe realmente lo que pasa con esa regla. Yo creo que todavía hay tiempo para que empezar una campaña con señales en la playa, con las facturas, the facts, para la ciencia detrás de los colillas porque son plásticos y tienen muchos químicos que son muy mal para el ambiente. Y yo cada día puedo recoger más que 300 colillas en una pequeña zona de la playa en 30 minutos. Es más fácil. Hay más, hay más colillas que otras cosas del mar, yo pienso en la arena. Y cuando yo puso los videos con este en mis redes sociales y los fotos, tengo muchos comentarios que me dicen, no voy a tirar nunca más porque no lo sabía. Para mí, la basura marina y la basura en general es muy obvio porque mi mente es en este focus, pero por mucha gente no la mente es en otras cosas y está bien, pero necesitamos ponernos en sus zapatos y compartir la concienciación de este tema, de ese problema y también dar cosas para tener cambio, porque yo pienso que si nos señala con el dedo el culpa de cualquier, no hace más que ampliar la brecha entre las personas que preocuparse de la basura y los que no. Tenemos que ser más positiva y toda la gente es una responsabilidad, no son tu basura, el mar es por todos, es nuestro hogar y es mi motivador también. Sí, hay muchas, con una campaña, por ejemplo, semillas van a ser mejor. También yo veo muchas cosas divertidas con cajas transparentes y, por ejemplo, puedes tener una pregunta de qué tipo de fútbol prefieres, este equipo o ese equipo, y poner los equipos en lo que quiera. Y una cosa divertida para la gente, porque si pueden realizar que es un problema, pueden
actuar, pero ahora mucha gente no realiza esto. Pues sí, muchas. Catherine, adelante. Oui, je voudrais dire à Elisabeth, parce que la campagne, elle parle de lancer des campagnes, l'appel que j'ai lancé hier et que je lance pour le 8 juin avec le hashtag See Your Solutions. Moi, j'ai tourné une vidéo avec, mais Elisabeth, je pense qu'il faut, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut être positif. Et il existe plein de gens qui portent des solutions, il existe des solutions qui ont besoin d'être valorisées. Et moi, je te propose, tu prends le hashtag See Your Solutions et tu tournes une vidéo avec, c'est toi aussi qui le portes, tu te l'appropries, etc. N'hésite pas, surtout n'hésite pas à le faire. Et j'aimerais bien vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, toutes les deux, parce que je trouve qu'on a besoin de ton énergie. Toi, il y a plein de manières de communiquer. Et tu sais, moi, ça fait 20 ans que je soutiens des associations, des scientifiques, des acteurs qui cherchent. Moi-même, j'ai essayé de trouver des solutions. Et on a besoin de visibilité et de ta dynamique. On a besoin, je trouve que c'est super vraiment que tu t'engages là-dessus. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, Catherine. De verdad, es un honor de escuchar esas palabras de usted. Por supuesto, soy muy, muy, tengo muchas ganas de compartir tu misión con el pasión de mía, de proteger el océano y también para usar tu hashtag. Para mí los redes sociales tienen cosas negativas, pero se usan en una forma más positiva, pueden cambiar, pueden inspirar y cambiar en muchas formas. Y sí, de verdad, el plástico y la basura marina tenía mucha responsabilidad de las empresas grandes y las políticas, pero no necesitamos esperar por un cambio grande con ellos. Podemos hacer cosas ahora, y sí, para mí, con este reto, sí, yo recogí, por ejemplo, 100 piezas de basura, y yo veo que tengo comentarios de algunas personas en Alemania y España y Italia y Australia, muchos países que también hacen un poco pequeña acción, pero juntas podemos crear una gran acción, y eso es mi visión. También después de realizar el problema de la basura, puede ser más consciente de su consumismo, porque puedes preguntar a ti mismo por qué hay muchos plásticos, por qué hay muchas botellas, y cuántos de ellos yo uso en mi propia vida. Pues también puede cambiar el consumismo después. Muchas gracias a las dos. No sé si hay más preguntas, última oportunidad. No sé si queréis decir algo más o cerramos aquí. El reto que se lanzó el 28 de mayo acaba el martes 8 de junio, pero después de oíros a las dos está clarísimo que el reto no acaba nunca. Tenemos que tomar la responsabilidad individual todos los días. Oui, moi je voudrais remercier aussi le Parlement européen à Barcelone, vraiment bravo, parce que c'est une très très belle initiative ce que vous avez fait là, originale je trouve vraiment, et avec Elisabeth, je trouve que voilà, bravo, 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 et on a besoin de tout, hein. On a besoin de toutes les énergies, donc du sommet de la montagne jusqu'à la haute mer, donc bon vent, les marins disent bon vent.
Bon vent, Elisabeth, et bon vent à tous. Bonne journée. Muchas gracias a todas también. Estoy muy feliz e interesada de escuchar las historias de Catherine y sus experiencias para proteger el mar. Yo puedo aprender mucho de usted y también yo creo decir que cada pieza de la basura cuenta. Pues, por favor, si estás escuchando, send us mensaje a yo o a Parlamento Europeo, cuántas piezas recogen hoy y en cuál país, porque somos un gran equipo, no podía completar ese reto sola y necesitamos la ayuda de todos. Y el mar es un parte de nosotras en cada una, cada respiración, el oxygen es un parte de nuestra vida, no matter where you are. Pues, por favor, reunir con nosotros y vamos a proteger el océano. Muchas gracias de verdad por vuestro entusiasmo, muchas gracias por compartir, gracias a todos los que habéis estado aquí y buen fin de semana. Can I say one more thing? Okay.